Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes encore aujourd'hui à Bergueul. Ici, c'est un endroit où nous avons planté du manioc. Bon, ça a été un peu tard, mais on l'a quand même fait. Et il y a une partie où nous avons planté ce manioc au bord de la rivière Bergueul, la rivière dont je vous ai parlé. Bon, la rivière est là. Vous entendez le bruit? Là, c'est la rivière qui coule. Voilà. Elle coule vers son confluent, un peu, qui se trouve un peu plus loin. Bon, voici les plants de manioc. Voici. Et voici. Il y a du manioc, la partie là. C'est une grande parcelle. Voilà. Voilà. Et cette petite partie, c'est du taro. Voilà. On a fait une petite parcelle du taro. C'est difficile de trouver la semence. Bon, là, on a fait ça pour qu'on puisse avoir la semence l'année prochaine, Inch'Allah. Voilà, c'est du taro. C'est propre. C'est propre. Cette petite parcelle, on l'a clôturée. Parce que vous savez que ici, on a. Le domaine est grand. Ça va de 500 hectares à plus, je ne sais pas. On peut arriver à 1000 ou plus, à 2000. On ne sait pas, mais c'est grand. C'est grand. Voilà le taro. Ça, c'est du bambou. C'est du bambou. Voilà. De l'autre côté du grillage, on l'a prêté à des parents, ils ont cultivé du riz. Là-bas de l'autre côté, c'est du riz. Ça se voit pas comme c'est un peu là, mais si je m'approche un peu, vous allez voir le riz qui a poussé. Là. A poussé. A poussé. De l'autre côté de la rivière aussi, il y a des champs de riz. Un peu éloigné, mais bon. De l'autre côté. Ouais, c'est un endroit qui est propice à l'agriculture. C'est vert. La végétation est dense. C'est pas facile à entretenir. Ouais, parce que dès qu'on coupe les plantes, les arbres, je veux dire, ça pousse très vite, ça repousse très vite. Donc c'est pas facile à entretenir. Surtout c'est une grande parcelle. Mais on va prendre le courage. On va prendre courage. On va utiliser notre temps et le peu d'argent qu'on en a pour qu'on puisse développer notre zone, notre région, notre partie. Vous savez que Bergueul, c'est une rivière qui se trouve ici, entre le district de Bergue, Hamdallah Bergue, qui est dans la sous-préfecture de Consotami. Bon, de l'autre côté, c'est le district de Silati, dans la sous-préfecture de Tarioué. Tout ça là, c'est dans Télimélé. Et la rivière de Bergue, comme je vous ai dit, c'est une rivière qui prend sa source ici, à côté de Bergue, à environ 3 km vers l'est. Et avec son confluent Djumpéol, ils rejoignent Kogon, et ainsi de suite jusqu'à l'océan Atlantique. Donc c'est une rivière très bénie, comme je vous l'ai dit. Une rivière bénie
une rivière qui ne tarit pas, bah, pour l'instant, je veux dire. Voilà. C'est ça, la rivière de Bergueau. Paisible. Voilà. Comme ça, je vous laisse, espérant vous retrouver bientôt. Inch'Allah. Bonne journée.